Bonjour, alors moi je m'appelle War et je vais commencer mes vidéos sur YouTube. Alors je suis sur Minecraft Beta 1.3 pour la simple et bonne raison que pour jouer à mon mode ZombieCraft, il me faut la 1.3 puisqu'il n'est pas mis à jour. Donc en fait ce mode c'est un mode où il y aura plusieurs maps de zombies tirées de Call of Duty 5 ou Call of Duty Black Ops. Ou des maps créées par rapport à l'imagination des gens. Donc on va commencer une petite partie sur Courtyard. Et puis on va voir combien de manches on fera et si je dois couper la vidéo ou pas. Donc alors, le pack de textures, il est directement implanté au jeu. On ne peut pas jouer en multi, ce qui est un peu dommage. Vous avez les armes que vous pouvez acheter. En haut à gauche, vous avez le mode de jeu, le nombre de manches, le nombre de modes et votre point, et vos points, et voilà. Donc vous pouvez tout savoir. Alors, moi je vous conseille d'avoir la version du jeu premium pour pouvoir y jouer. Sinon, ça risque d'être vachement plus compliqué. Moi j'ai acheté le jeu, donc pour moi c'est plus simple. Pour installer, mais pour vous je vous donnerai le lien pour installer pour ceux qui ont Premium, et pour ceux qui sont craqués je vous mettrai une vidéo dans la description pour vous expliquer comment le craquer. Alors là vous voyez, je vais passer manche 2 ou wave 2 avec 1060 points. Alors j'ai le choix entre le 4, le CARC 98 et la main garant. Je préfère attendre et ouvrir cette porte qui vaut 1000 points. Alors, les zombies, montrez-vous. Ah oui, vous avez aussi la possibilité de tirer, je vous ai pas montré, mais... Vu la manche où on est, je préfère quand même... utiliser le point parce que bon, pour ces manches-ci c'est plus pratique, et puis vu que je suis un ancien joueur Call of Duty et un fan de zombies, voilà. Vous allez commencer, vous n'aurez que deux maps, Nage Down Totten et une map qui s'appelle Crow quelque chose comme ça. Donc si vous souhaitez les maps du style Courtyard, celle que je suis en train de faire, Kinder Totten, Ascension et tout ça, faut me demander les maps que j'utilise dans mes vidéos, je vous les mettrai. Alors ensuite, je vais aussi pas faire que des vidéos sur ZombieCraft. Je vais aussi faire des vidéos sur mon serveur. Je me suis créé pas dédié, parce qu'en dédié, ouais, voilà, payer tous les mois, voilà la galère. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière? Des panneaux. Et une cage. Alors on va payer cette porte. Ah mince, de l'eau. Un pompe. Alors ça, vous allez voir comment c'est vraiment puissant. Ah oui, et sur ce jeu, sur ZombieCraft, vous avez aussi autant bien la boîte magique enfin voilà, vous allez avoir sûrement besoin de plus de coups pour mourir. Vous pouvez en avoir que deux armes parce que voilà, pour les premiums. Après pour se craquer, je sais pas, parce que franchement j'ai joué craquer au début de Minecraft, mais maintenant. Waouh, là désolé, j'ai dû me concentrer parce que c'est commencé à devenir chaud. Ah oui, et il y a quelques bugs par exemple où quand vous construisez une fenêtre vous êtes propulsé à plusieurs mètres et tout, mais bon, hein, les développeurs ont laissé le jeu en rade comme ça, donc bon, vu que le jeu est plutôt bien, on va lui pardonner. Alors je vais me mettre là parce que s'il faut, j'ouvrirai.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je filme avec Fraps. Mon serveur, comme j'ai parlé tout à l'heure, il est sous whitelist. L'IP, je ne la dirai pas. Parce que tout simplement que le serveur il est ça presque pas très souvent ouvert. Donc, pas la peine d'avoir des gens qui attendent juste que le serveur soit ouvert pour s'y connecter. Même si je sais que j'ai pas d'abonnés, mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, vous voyez bien que c'est plutôt réaliste le système. Bon, bah plus de balles, on passe au M1911. J'ai dû ouvrir cette porte qui m'a laissé la boîte magique. Merde, 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 merde. Ah, eh ben, je crois qu'on va se laisser sur ce petit fail plutôt, et donc cette belle mort. Je vais vous montrer un peu les maps que je possède. Alors, Ascension, Call of the Dead, Cord Yard, Facility, Rother Last Resort, Nashdown Totten et Kinodar Totten V2. Vous allez alors moi dès le départ j'ai eu Nashdown Totten et Grozer Last Resort. Nashdown Totten et Grozer. Celle-là et toutes les autres, c'est-à-dire Courtyard, Call of the Dead et Ascension, c'est moi qui les ai trouvés sur internet. Donc voilà. Dans les réglages, moi j'ai réglé la musique, le sound à 50, la sensibilité à 130. Enfin voilà, ça en même temps. Moi je mets un normal, mais vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc on va regarder, je vais vous montrer qu'il n'y a pas vraiment grand chose à changer. Voilà. Et en contrôle, il y a juste la charge, mais je vois pas vraiment à quoi ça sert, ça marche pas vraiment. Donc voilà. Pour l'inventaire, il faut changer, il faut mettre autre chose parce que normalement moi je mettrais E. Mais vu que E c'est pour rebâtir, je mets X. C'est pour rebâtir tout ce qui est barrière entre nous et les zombies. Donc voilà. Create map. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai cherché un éditeur de map de Zombiecraft et puis le truc il me fait bugger. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye.